Mais wesh, qu'est-ce que tu fais? Mais quel con! Hey les chanceux de Cheeznan, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc aujourd'hui les potos, tout simplement je vais faire un prank à mon fils Hugo. Alors là comme vous pouvez le voir, je suis pas avec lui tout simplement parce que bah comme je vous le disais, je vais faire un prank. Alors il est actuellement dans sa chambre et dans ce prank les amis, c'est que je vais me déguiser en fille. Donc pour cela j'ai demandé l'aide du scientifique à ce qu'il me crée un petit costume pour que je puisse le mettre. En gros là je vais mettre en skin de fille et ce que je vais faire c'est que je vais essayer de draguer mon fils et tout. On va voir sa réaction et tout. Je sens que cette vidéo va être super drôle, c'est pourquoi je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification, puisque aux 200 000 abonnés, je ferai un gros concours. Donc les amis, je compte sur vous pour que vous puissiez partager la chaîne YouTube à vos amis et de vous abonner tout de suite si ce n'est pas déjà fait. On va se donner également un objectif de 2000 pouces bleus, puisque à 2000 pouces bleus, je recommencerai une vidéo automatiquement avec mon fils. N'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre afin d'être sponsor à ma chaîne YouTube. On va bientôt atteindre le 100 membres et aux 100 membres j'essaierai d'organiser également un petit concours. Et c'est parti, du coup on va aller voir Hugo, on va voir ce qu'il est en train de faire. Hop, c'est parti. Hey Hugo, comment ça va? Bien toi papa? Oui, ça va super. Pourquoi tu marches sur le gâteau là? Non mais descends. Ça fait un lit douillet. Non mais descends, descends. Oh mais descends, arrête. Mais non mais c'est pas bien. On joue pas avec la nourriture Hugo, on joue pas avec la nourriture, c'est pas bien, c'est pas bien. Déjà que t'as ramené énormément de gâteaux dans dans ta chambre, je sais pas du tout pourquoi t'as fait ça. En plus de ça, si tu marches dessus, bah voilà. Non, arrête de... Hugo, arrête de faire ça. Ok, c'est bon, tu seras confisqué de nourriture. Non, j'ai que... Ouais, voilà, t'arrêtes. Ok. Oh, mais j'avais pas vu, t'as un nouveau téléphone. Oui. Oui, il est trop bien. Ok, super. J'ai trouvé dans la déchetterie. Ah, tu l'as trouvé dans la déchetterie, mais il marche? Je sais pas, oui, je pense. Tu peux prendre le numéro si tu veux. Ouais, je vais noter le numéro. Alors, hop, je vais noter le numéro. Là, vous le voyez pas, mais moi, je le vois. Hop, alors, je vais le noter. Tac, 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 tac. Ok, super. Ok, ça marche, Hugo. Bon, bah, Hugo, je te laisse t'amuser. Moi, je vais descendre en bas. D'accord. Tu vas partir ou pas aujourd'hui? Ouais, je vais sûrement sortir tout à l'heure pour aller faire les courses et tout, tu vois. Vu qu'il okay. Reste plus rien à la maison. En plus de ça, bah, comme tu sais, bah, ta maman, elle est partie il y a quelques jours. Et bah, là, je suis obligé de faire pour moi-même. Comment ça l'esclave? Comment ça l'esclave? Attends, mais tu parles de qui? Tu parles de Camille? Oui, ma daronne. Mais Hugo, t'es sérieux? Tu parles comme ça de ta maman? Oui. Mais Hugo, faut pas parler comme ça, même si c'est plus ta maman maintenant. Enfin, si, elle reste ta maman, mais même si elle est plus avec nous. Elle nous a quittés, elle a pas honte. Oui, mais c'est de notre faute. On essaiera de tout faire pour qu'elle revienne vers nous, tu vois. Il faudra essayer de trouver une solution. On va essayer de réfléchir pour ça dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Voilà. Mmh. Bon, du coup... Manque. Ouais, bah moi aussi, elle me manque. Hein. Il n'y a pas que toi. Hein. Toi, tu peux plus fourrer ton zizi dans... Wesh, Hugo, c'est bon. T'étais bizarre, hein, wesh, c'est bon. Bon, je te laisse t'amuser, Hugo. On fait pas n'importe quoi sur l'ordi. Donc, je te fais confiance, hein. Oui, attends, j'écris, hop. Ok, bon, je vais laisser Hugo ici. Hop, alors, on me voit. Bon, du coup, les amis, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler au téléphone. Donc, j'ai réussi à récupérer son numéro de téléphone. Et je vais tout simplement l'appeler en inconnu. En gros, je vais l'appeler en numéro masqué. Donc, hop, c'est parti. Alors, je vais récupérer le téléphone, là. Oui, allô? Oui, allô? C'est qui? C'est moi, Jessica. Mais t'es qui, Jessica? Ah, mais je suis une fille. Oh, t'as une jolie voix. Elle est trop belle. Merci, en fait, j'appelle des inconnus pour avoir des nouveaux amis. Tu veux être mon amie? Oui, s'il te plaît. Est-ce que je peux venir chez toi? Ah oui, viens chez moi. Ah, trop bien. Tu es tout seul à la maison? Oui. D'accord. Viens. Ok, bah vas-y, j'arrive tout de suite. Vas-y, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hop.
Ok, ok les amis, je viens de raccrocher. Du coup là, vous avez entendu, j'ai réussi à draguer mon fils. Voilà, tout simplement, là ce que je vais faire, c'est que je vais demander un costume au scientifique. Voilà, du coup, je lui avais demandé de créer un costume, je pense qu'il a dû le créer et tout. Donc là, je devrais passer par la chambre de mon fils. Alors attendez, je vais juste voir si... j'attends juste qu'il soit dans la salle de bain pour que je puisse rentrer à l'intérieur et pour que je puisse y aller au laboratoire. Et comme ça, je vais prendre mon skin. Hop, alors il est toujours ici, il est toujours devant son ordinateur. Donc je vais attendre qu'il se déplace, les amis. Ok, normalement, là, je pense qu'il va se préparer et tout parce qu'il sait qu'il y a une fille qui arrive à la maison. Oui, il y a une fille. Ça va être trop bien. Ok, c'est bon, il est parti dans la salle de bain. Bon, moi, je vais descendre, je vais en profiter pour y aller voir le scientifique. Donc c'est parti, let's go. Alors pour ouvrir, bah, comme d'habitude, on descend, on ouvre. Voilà, alors j'ai pas oublié. Comment rentrer à l'intérieur? Ok, c'est bon, ça s'est ouvert, du coup c'est parti. Alors, est-ce que le scientifique est ici? Le scientifique... Wesh, il est où le scientifique? Monsieur le scientifique? Monsieur... Oui, bonjour. Oh, salut monsieur! Comment vous allez? Eh ben, ça va très bien, et vous? Oui, ça va super. Est-ce que vous avez préparé ce que je vous ai demandé? Ah, alors, j'ai rencontré un petit problème, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout faire de costume. Par contre, j'ai réussi à créer une potion qui pourra vous transformer en fille. Ah ouais? Oh, une potion, ouais, qui pourrait me transformer directement en fille. Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Et je pense que c'est beaucoup moins détectable que s'il s'agissait juste d'un costume. Ouais, bah ouais, bah ouais, c'est trop bien. Par contre, ça dure combien de temps? Est-ce que ça dure 15 minutes, 20 minutes? Alors, je sais pas vraiment, j'ai pas forcément encore calculé la durée. D'accord. Mais normalement... il n'y aurait pas eu hors ici. D'accord, ça marche. Ok, donc si jamais... si, bah, en gros, là, vous êtes sûr que si je bois la potion, genre, je resterai pas comme ça à vie? Parce que j'ai pas envie de rester à vie en skin de fille, quoi. Alors, justement, par rapport à ça, je suis encore en train de créer une potion pour vous transformer en homme quand vous serez en fille. D'accord, ok, ça marche. Donc là, je peux vous faire confiance, je peux rentrer et commencer tout de suite le prank, quoi. Oh, oui, oui, tout à fait. Ok, ça marche, bon bah super. Bah allez-y, passez-moi la potion que vous avez créée et comme ça je vais l'utiliser pour que je puisse me transformer en fille. Donc les amis, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je sens que cette vidéo va être super drôle les amis. Hop, c'est parti, du coup je vais récupérer la potion. Hop, voilà, tenez. Hop. Ok, c'est une petite potion. Hop, potion de féminisation. D'accord, ça marche. Ok, ok, j'aurai directement des habits sur moi ou il faudrait que je m'habille? Normalement vous aurez déjà des habits. D'accord, ok, ok, ça marche. C'est l'un des pouvoirs de cette potion, justement. D'accord, ça marche, ok, ok, ça marche. Et ça sera à moi de faire la voix de fille ou j'aurai directement, automatiquement une voix de fille, en fait? Ça, je sais pas vraiment, parce que je l'ai pas encore testé. Ce sera à vous de me dire. D'accord, ok. En gros, encore une fois, je suis un sujet test, quoi. Oui, encore une fois. Ok, ok, ça marche. Bon, fermez ça, hop, voilà. Faudrait pas que vous regardez, hop. Ok, voilà, je vais m'enfermer. Et du coup, les amis, c'est parti, je vais boire cette potion, voir ce que ça donne. Allez. Oh, j'ai réussi à me transformer, regardez. What? Oh, mais c'est vraiment trop stylé. Oh, regardez, les amis, maintenant, je ressemble vraiment à une fille et tout. Oh, c'est trop bien. Oh, mais là, je pourrais vraiment pranker mon fils. Donc, c'est parti, hop, je vais remercier le scientifique. Ah, monsieur le scientifique. Oh, oh là. Bonjour, c'est vous? Oui, oui, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Ah, bah, c'est tant mieux, je pense que la potion a bien marché, c'est oui, super. Il en reste encore un tout petit peu si vous voulez, bah, si vous aussi vous voulez vous transformer, ou je sais pas, si vous avez... je sais pas, mais peut-être remplir de nouveau la potion? Oui, si vous voulez, de toute façon, moi, pour l'instant, moi, je suis bien, là. Ah, franchement, merci beaucoup, hein. Ah, de rien, puis revenez si vous voulez vous retransformer en homme. D'accord, ça marche, ok, y a pas de soucis. Allez, c'est parti. Donc les amis, là c'est parti. Donc le troll va être super drôle, enfin je l'espère. Donc les amis, c'est parti, let's go. Ok, alors est-ce qu'il est toujours, je crois qu'il doit être toujours sur la douche. Wow, il est toujours sur la douche. Ok, j'espère qu'il nous a pas vu. Là on va tout simplement faire semblant de rentrer à la maison. Hop, en fait on va toquer et tout. Et normalement il viendra m'ouvrir et tout. Et on verra ce que ça donne les potos. Donc hop, let's go. Alors je vais me diriger devant la maison. Pourquoi les portes sont toujours ouvertes? Oh, eh, faudrait vraiment que je les ferme à chaque fois, hein. Hop, allez c'est parti. Du coup je vais rentrer plutôt par l'entrée principale. Voilà, il faut vraiment être le plus logique possible. Voilà, du coup le troll va commencer. Donc c'est parti, allez let's go. On va faire genre de toquer. J'arrive! Ok, ok, là il arrive. Ok, c'est parti, je vais préparer ma voix. Ok, là il y a Hugo qui arrive, Ok, normalement il va arriver. Et on va voir. Yo, t'es là? Oui, je suis là! Bonjour!
Comment ça va? Bien, toi, rentre, rentre, rentre. Merci. Ah, t'es trop belle, wow. Ah, merci, ça fait plaisir. T'es venue en maillot de bain pour faire un twerk? Non, pas du tout. Je suis venue faire des amis, en fait. Ah, d'accord. Bah, viens, viens dans mon lit, alors, viens. Ouais, on va faire connaissance. D'accord, on va jouer au jeu de société. On va jouer à un autre jeu, si tu veux. Mais qui me plaît plus. D'accord. Bon, je sais pas ce que c'est, mais j'arrive. Mais je veux savoir, y a personne à la maison? Non, non, c'est bien. Y a pas mon père. Je lui ai dit de partir avant, parce que c'est mon petit chien, en fait. Il m'obéit. Ah, ton papa, c'est un petit chien. Oui. Mais comment il s'appelle, ton papa? Il s'appelle The Chisel, je crois. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Je l'aime pas. Ah, tu l'aimes pas? Mais pourquoi tu l'aimes pas? Il est moche. Attends, attends, j'arrive. Oh, voilà, les amis, vous avez entendu? Il y a mon fils qui fait que de me critiquer derrière mon dos. Oh, mais quand je vais rentrer à la maison, ok, je vais lui dire comme quoi c'était moi la fille. Mais je suis sûr qu'il va vraiment péter un câble. Et en plus de ça, je vais le tuer. Oui, oui, excuse-moi, j'arrive. J'étais en train de remettre ma chemise, en fait. Non, mais tu peux l'enlever si tu veux, hein, y a pas de souci. Non, mais t'étais malade, toi, en fait. Pardon, d'accord. Ouais, pourquoi tu me présentes ta chambre? Non, mais ça, c'est pas ma chambre, mais assieds-toi un petit peu, tranquille. D'accord, ça marche. Toi, t'as quel âge? J'ai 5 ans. Ah, t'as 5 ans. Moi, j'ai 7 ans. T'as 7 ans? Oui. T'es super grande, t'es mignonne. Ah, merci. Belle. Mais est-ce que t'as déjà une copine? Non. Ah bon? Oui. T'es sûre, hein? Oui. D'accord. J'arrive, attends. Wow, les amis, vous avez entendu ce gros menteur? Non, vous savez qu'il a une copine qui s'appelle Léa, et là, il est quand même en train de me draguer. Oh, c'est un malade. Bon, je vais continuer le troll, je vais continuer, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, il y aura d'autres trucs encore plus ouf que ça. Donc, encore une fois, les amis, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce que tu fais, Hugo, sur la table? Tu veux que je te fasse une danse? Regarde. D'accord, c'est quoi comme danse, ça? C'est la Macarena. Ah, mais Hugo, t'es super drôle. Ton papa, il va t'aimer, hein. Oui, bah c'est un petit salaud, mais c'est pas grave. Ouais, on parle pas comme ça de son papa. Oui, pardon. Oui, bah oui, on parle pas comme ça de son papa. Je te fais visiter la maison, d'accord? D'accord. J'arrive. Ça, c'est la chambre du petit salaud, tu vois, du petit chien, de l'esclave, de la maison. D'accord, et c'est ce Chisnan, c'est ça? Oui, regarde, je peux jouer sur son PC, il veut bien. Ça me dérange pas. Ah, il t'autorise? Oui, parce que ça... Il dit que je peux jouer parce que je suis intelligent et que je suis beau. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, je lui dirai à ton papa si je pourrais moi aussi utiliser son ordi. Monte sur la caméra et tu peux l'écraser, t'inquiète, il est... Ça va pas le déranger. Moi dessus, mais écrase. Je peux sauter? Oui. D'accord. Ah, mais tu l'as cassé! Tu l'as. Mais je viens de voir, c'est toi qui l'as cassé, menteur. Pardon. Bon, qu'est-ce que tu vas dire à ton papa maintenant? Je vais dire que c'était moi, parce que j'ai pas envie que tu te fasses fâcher, parce que t'es trop belle pour être. Merci. Bon, vas-y, tu me présentes les autres chambres. Oui, bien. Vas-y, j'arrive. Vas-y, je te suis, vas-y. Oh, les amis, vous avez vu, il vient de casser ma caméra. Mais je vais le tuer. Oh, je vais le tuer à la fin du prank, je vais le tuer. Oh, mais lui, il est mort. Ok. Non, regarde, là, c'est la chambre de Camille. Ça, c'était la chienne de mon Camille. Papa. Attends, mais chambre de Camille, c'est qui? C'est ta copine? Non, Camille, c'est la chienne de mon papa. Non, c'est la copine, pardon. C'est-à-dire, je comprends pas. Genre, en fait, il s'aimait avant. Oui. Mais Camille, vu qu'elle est méchante, elle est partie. D'accord. Et en fait, c'était un peu... je vais rien dire. Tiens, regarde, là, c'est une baignoire. Genre, tu peux aller dedans et moi aussi, et on peut se mettre tout nu. Non, pas maintenant. Mais ça va pas, ta tête? Pardon. T'es vraiment fou, toi, du coup, hein? T'es méchant. Bah, en même temps, t'as vu ce que tu dis, là? Arrête de dire n'importe quoi. Moi, je suis pas comme ça, ok? D'accord. Ouah, c'est un malade, regardez. Mais non seulement il me drague, il veut faire des trucs de ouf. Ouah, c'est un ouf, lui. Bon, vas-y, c'est parti, je continue. Oui. Oui, j'arrive. Tu t'appelles comment, déjà? Je m'appelle Jessica. Jessica, waouh. C'est tellement beau. Merci. Tu me montres ta chambre?
Viens voir. Elle est bien. Elle est belle, ma chambre. Viens, viens, ah, viens. C'est ça, chambre de coup. Est-ce que j'avais pas vu? D'accord. Donc là, oh, t'as des petits gâteaux partout, t'as un petit setup. Oh, et un grand lit. C'est cool, ça. Ah ouais, comme ça, au moins, quand on fera l'amour, on aura assez beaucoup de place. Ah, avec qui? Bah avec toi, mais t'inquiète, c'est pour après, c'est pour après. Ouais, mais ça va trop vite, là, t'es malade. Genre, tu veux faire quoi? Tu veux faire du sale ou quoi, là? Non, t'inquiète pas tout de suite. Oui, mais arrête de dire n'importe quoi. Bon, ici, c'est ta salle de bain. Moi, je vais pas rentrer parce que c'est des trucs à toi. Ah, non, mais c'est à toi aussi, maintenant. Comment ça, c'est à moi aussi, maintenant? T'inquiète. Eh, hey, mais je suis pas ta copine, hein. Je suis juste ton amie, en fait. Ok, d'accord. Donc, si tu veux que je devienne ta copine, il faut que tu me passes 1000 euros. Ok. Tiens, regarde. Monte. Ah non. Non, non, les filles, ça monte pas dans les scooters. Mais si tu veux, j'en vends deux, là, et je te donne l'argent. Ah, si tu me donnes les deux scooters et tu... Et je deviens ton copain, c'est ça? On va ta copine? Oui. Pourquoi t'as dit mon copain? C'est que je me suis trompée, je suis désolée. C'est pas grave. Regarde, ça c'est la chambre d'un abonné, elle est super belle. Ah oui, elle est super belle. Bon, vous avez vu les amis, je commence un peu à perdre ma voix et tout. Donc là, je pense que ça risque d'être un peu chaud. Je pense que je perds un peu l'effet de la potion. Donc faudrait que vite que je termine ce troll et que je rentre le plus vite possible. Hop, c'est parti. Tu disais quoi? Non, mais genre, je regardais, je visitais un peu, c'était beau, tu vois. Est-ce que tu me trouves beau? Franchement, ouais, j'aime bien. En plus, t'as un beau petit canard dans le ventre et même derrière. C'est trop beau. Et j'aime bien tes yeux, ils sont bleu clair, on dirait la plage. Ouais. Bon, vas-y, viens, on va dans la chambre. Ouais. Je suis un peu fatiguée, là. J'ai envie de me reposer. Ça te dérange pas que je dors un peu chez toi? Non, tu peux te coucher dans mon lit. Viens. D'accord, je vais m'endormir. Et toi, tu vas faire quoi le temps? Je vais te faire un câlin. D'accord, viens. Bon, si tu veux. Allez, moi, je vais m'endormir. Bisous. Ah! Mais wesh, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est Hugo? Hugo, je te fais des bisous. Ah! Oh, Berk. Oh, il m'a fait un bisou, il a fait un bisou à son papa. Ah, dégueulasse. Ah mais... Oh, vas-y. Ah, mais Hugo, tu m'as dégoûté. Oh non. Non, mais... Va dans le salon tout de suite. D'accord. Va dans le salon. Bon, du coup, moi, ce que je veux faire, les amis, c'est que je vais tout simplement rentrer chez les scientifiques. Wow, je commence à garder la voix de la fille. Wow, c'est vraiment bizarre. Wow, j'espère que ça va être comme ça dans les prochaines vidéos. What? Bon, attendez, je vais y aller voir le scientifique, les amis, et je vais essayer de me détransformer parce que là, Hugo, il est vraiment parti très loin. Ok, là, je suis dedans. Je suis au laboratoire. Hop. Ok. Vous êtes de retour? Oui, je suis de retour, mais il y a un problème. Oui, dites. Bah, regarde, je garde la voix de la fille. Pourquoi j'arrive pas à changer de voix? Ah, on dirait que c'est un effet secondaire de la potion. Attendez, je vais vite vous donner la potion de... masculinisation. Oui, passez-moi ça vite, parce que là, j'ai peur, j'ai pas envie d'être une fille, moi. Voilà, merci, passez-moi. Ok, merci, je vais me changer, alors. Hop. Allez-y, attendez. Ouvrez. Ouvrez vite, merci. Bon, du coup, les amis, je pense que ça va être la fin du prank, je vais me détransformer. Allez, hop, on boit ça. Ah, j'ai enfin retrouvé. Oh, c'est bon. Oh, je peux enfin parler avec ma voix. Oh, bah voilà. Ok. Bon, la prochaine fois, vous ferez mieux vos potions, hein, parce que là, j'ai failli garder la voix de fille, hein, j'ai eu peur. Justement, je fais pas les choses à moitié quand on se transforme en fille, c'est visuellement et avec la voix. Ouais, mais non, mais là, je pensais que j'allais garder ma voix, j'ai eu peur, enfin, tu sais, la voix de fille. Là, franchement, j'ai eu peur de ouf. Bon, vous savez, en faisant ce prank, il y a mon fils qui m'a embrassé. C'est dégueulasse. Il m'a fait des bisous sur la bouche. Ah. Mais c'est vrai, ouais, je te jure, c'est vraiment chelou. Du coup, là, je vais aller le voir, je vais le gronder, je vais l'insulter, là. Bon, Allez-y, je vous laisse faire. Oui, du coup, bon, à un prochain jour, monsieur le scientifique. Oui, pas de soucis, allez, bonne journée. Allez, bonne journée. Hop, bon, je vais rentrer à la maison. Alors, il est où? Hop, du coup, alors, je vais pas... Genre, lorsque j'étais Jessica, je lui ai pas dit comme quoi, bah, j'étais rentré à la maison. Hop, enfin ouais, je t'ai sorti de la maison plutôt. Hop, bon, Hugo? Jessica! Oh,
Papa, Hugo, je suis de retour. Comment ça, Jessica? Bah... Comment ça, Jessica? Tu parles de qui, là? Il y avait quelqu'un à la maison? Non, t'inquiète pas. Non, mais vas-y, dis-moi la vérité. Dis-moi, il y avait qui, là, à la maison? Non, il y avait personne. Non, t'es un menteur. Attends. Il y a un parfum de fille, là. C'est quoi, ça, Hugo? C'est mon nouveau parfum, viens voir. Non, Hugo, arrête de mentir. Vas-y, dis-moi. Dis-moi ce que c'est. C'est celui-là, là. En plus, il se permet de mentir. Si je m'imagine toutes les bêtises et même toutes les conneries qu'il fait pendant mon absence, c'est un truc de ouf. Bon. Si tu veux savoir, tu me fais un bisou alors. Non. Hugo, viens. Hugo, je vais te parler sérieusement parce que là, il y a un truc de ouf qui vient de se passer. Suis-moi, viens vite ici. Hugo. Fais-moi un bisou alors si tu veux me parler. Ok, tiens, si tu veux. Voilà. Allez, viens ici. Bon, Hugo, tu sais ce qui vient de se passer, en fait? Non. Raconte-moi, parce que j'étais là, en fait. Je sais qu'il y avait une Jessica qui était à la maison. Quoi? C'est qui, Jessica? Arrête de mentir, la Jessica, c'était moi, en fait. Et c'est moi qui t'apprends, espèce de débile. Et en plus de ça, t'as fait un bisou à ton papa. T'es sérieux, toi? T'es sérieux? Mais t'es vraiment dégueulasse, Hugo. Hugo, t'as fait un bisou sur la bouche à ton papa. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade dans ta tête? Genre si y a un inconnu qui vient comme ça à la maison, tu l'invites. En plus de ça, tu lui fais des bisous. T'es vraiment débile, Hugo. Mais laisse-moi. Non, mais comment ça, laisse-moi? En plus de ça, t'as déjà une copine qui s'appelle Léa. Je vois pas pourquoi tu invites des filles à la maison. Mais c'est toi, tu m'as dragué. Bah oui, je t'ai dragué, mais et alors? C'était pour te pranker. Mais là, c'est vraiment parti loin. Donc, Hugo, ce que tu vas faire... Je vais pas te donner de punition. Ce qui va se passer... T'as pas le droit. C'est toi qui as fait ça, hein, c'est pas moi. Oui, mais même, fallait pas faire des bisous à des inconnus. Genre, Jessica, tu la connais pas. Et pourquoi tu fais des bisous à la bouche des gens que tu connais pas, en fait? Non, mais t'es vraiment débile à faire ça. Donc tout simplement, Hugo, ce qui va se passer, c'est que Léa, elle viendra plus jamais à la maison. Voilà, tu sais quoi, Léa, elle viendra plus à la maison pendant 2 jours. Non. Et je lui dirai tout ce qui s'est passé. Et elle sera fâchée contre toi. Non, t'es sûr? Tu es... Oh, non. C'est bon. Je vais faire du jambon avec tes bronzés que t'as sur les côtés, gros. Non, mais Hugo, tu vas me parler autrement. Et c'est bon, je vais rien dire. Ça reste entre nous. Je vais faire du saucisson avec tes fesses. Mais écoute, c'est un malade. C'est bon. Quand on est stressé, on mange du saucisson. Tu vois, c'est des sur TikTok. D'accord. Ok. Mais c'est bon. Je dirai rien. Ok, c'est bon. Ça reste. Pas de ma gueule. Non, c'est bon. Ça reste entre nous. C'est bon. Ça reste entre nous. Ok. Oui. Bon, je me fais un peu victime par mon fils là, comme vous avez pu le voir. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ce prank vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rejoindre afin d'être sponsor à ma chaîne YouTube. Et on se dit à la prochaine. Salut.